Bonsoir à vous toutes et à vous tous, il est 18h pile, 18h01 pour être précis, et comme chaque jeudi soir, c'est parti pour 01 Live Edo, le débrief de l'actualité high-tech de la semaine, comme chaque jeudi soir. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Le sommaire cette semaine, un smartphone haut de gamme chasse l'autre, après Apple, après Huawei, après Samsung, c'est le chinois OnePlus qui dévoilait cet après-midi il y a quelques minutes, et je crois même que ça continue en ce moment même, qui a dévoilé donc son flagship très attendu, le 5T. Et nous, vous allez le découvrir ce soir dans 01 Live grâce à Raphaël Grably qui est à New York et qu'on va retrouver dans un instant. Voilà, puisque cette keynote donc de ce nouveau OnePlus n'est pas encore terminée, hein, elle va se terminer dans quelques minutes. On va parler aussi de Face ID tout à l'heure, le système biométrique de l'iPhone X. Est-il vraiment fiable, Jérôme? C'est la question qu'on peut se poser. On savait qu'il avait du mal à distinguer deux jumeaux. En plus, il confond une utilisatrice d'iPhone avec son fils de 10 ans, ce qui est quand même un peu embêtant. Enfin, le fils de 10 ans, on c'est pas Nicolas. De voir un petit peu plus grand. Noémie Lefebvre-Marek va nous raconter cette histoire incroyable dans quelques minutes. Eh oui, incroyable, c'est peut-être le bon adjectif pour la nouvelle Xbox One X. Vous allez le savoir, car le Labo 01net a terminé ses tests et Aymeric Siméon va venir nous détailler tout cela tout à l'heure. Et enfin, ça roule pour David Noguera. Celle-là, on n'en est pas peu fiers, les amis. Et ça roule en électrique, surtout, avec ce petit bijou que d'ailleurs David va me prêter pendant un an. C'est le tout dernier scooter BMW. Il paraît que c'est une petite bombe et on va voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est beau en scooter, David Noguera. Regardez-moi ça. On dirait K2000, mais à bord d'une moto, en fait. Tonnerre mécanique. Il est là. Salut, il David. Est là. Il est à côté de nous. Voilà, c'est 01 Live Edo. 30 minutes pour les fans de high-tech. C'est parti. Et pour débuter, bien sûr, ce 01 Live Hebdo, c'est la question 01 Net Orange, comme chaque jeudi soir. On vous pose une question d'actu, le OnePlus. Alors ça, c'est une question un peu provoque. Écoutez, non, mais non, ça, c'est la question de la semaine dernière, c'est la semaine dernière, Thomas. Ça, les amis, c'est pas grave. Allez, on rembobine. Oui. La question de cette semaine... Rembobinez la cassette VHS, les amis. On va y arriver, vous allez voir. La question de cette semaine porte sur le OnePlus 5T, ce smartphone dont on va parler dans un instant, avec une question un peu... Voilà. Un peu poil à gratter. Peut-il concurrencer l'iPhone X, à votre avis? Allez donc nous donner votre avis en vous connectant sur www.01nettv.com. Vous cliquez sur le petit sondage, oui venez ou non. Venez troller. Rappelons quand même qu'il y a une différence. Alors, ce n'est pas que le paramètre, le seul paramètre, mais il y a une différence de tarif quand même assez importante. Mais tout à l'heure, Raphaël nous en parlera de ce nouveau OnePlus. Avant de retrouver Raphaël donc depuis New York hein, pour nous commenter toutes ces nouveautés OnePlus. On part tout de suite à Bombay. Non, c'est pas ça. Non, on part tout de suite 12 rue d'Arradour-sur-Glane. Ah oui, c'est bien aussi. Avec Christopher Siminelli qui est là. Ah, salut Chris. Ah, je suis trop occupé là, j'écoute de la musique. Il nous entend pas, il est dans la vague. Je vous entends pas, c'est simple, je vous entends. Ah oui, c'est ça. Alors on peut dire toutes les pires insanités concernant Christopher. Bon, je t'entends. Christopher qui est là. Oui, parce que moi je suis annonciateur de bonnes nouvelles. Eh bien voilà, Christopher, c'est un peu le papa Noël de 01net TV. Ouais, et bientôt je vais me laisser pousser la barbe jusqu'au 25. Non, non, mais après il faut que tu la blanches. Très sérieusement, je suis là pour vous parler d'un grand jeu concours qu'on a sur 01.com depuis une petite semaine et qui dure encore 3 semaines. On vous offre l'occasion de gagner peut-être jusqu'à 10 DivaCore Antipods. Donc c'est ce que j'ai en main. Ce sont des écouteurs True Wireless Bluetooth. Approchez-vous qu'on parce a, que c'est tout petit. Hein. Qu'on a testé au labo, que j'ai testé d'ailleurs pour le labo. Et qui s'en sont très bien sortis parce que voilà, très bonne note, super design, super tenue dans l'oreille. Le son hyper correct pour un prix. Somme tout assez raisonnable de 119€. Donc vraiment, c'est des écouteurs qui nous ont tapé dans l'œil et on vous en fait gagner. Tapé dans l'œil. Ouais. Ils sont petits. Ça dans l'oreille plutôt. Et voilà, on vous en fait gagner 10. Et voilà, pour participer, très simple, vous suivez le lien qui est dans le descriptif YouTube de la vidéo. Voilà. À la fois sur 01nettv.com et sur YouTube. Hein. Exactement. Bien vous sûr. Répondez correctement à une question, mais on ne peut pas faire plus simple. C'est comme une question sur TF1. Combien d'oreilles faut-il? J'adore ces questions. Non, elle n'est pas si simple, mais elle est très simple. Ben ouais, vous verrez, franchement, mais vous avez forcément. Elle n'est pas si simple, mais elle est très simple. Elle est quand même simple. Et alors, attends, parce que moi, j'ai une petite question. Elle n'est pas dure, mais elle n'est pas difficile. Quand tu achètes ça, tu as les deux petits intra-auriculaires, mais tu as aussi le boîtier qui permet de recharger les
intra-auriculaires. Exactement. Donc 8 heures d'autonomie dans ces écouteurs. Voilà. Plus 24 heures d'autonomie via la batterie intégrée dans le boîtier. Donc qu'on recharge après par micro USB, voilà, par la petite prise de manière traditionnelle. Que vous avez là. Voilà, ça existe en blanc et en noir. Ça existe en blanc et en noir. Voilà. Et sans vouloir troller, moi, je préfère largement ces écouteurs à ceux d'Apple, dont ils sont les concurrents, parce que je les trouve beaucoup plus discrets. Voilà. C'est dit. J'anticipe ce que va dire Jérôme. Non, non, je ne dirai rien. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas pareil. Attends, les AirPods, il y a une petite barre qui descend comme ça. Oui. On est d'accord. Ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais, mais c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vraiment une affaire de goût parce que suite au test, je regardais un peu les réactions sur Twitter, etc. Il y a vraiment deux écoles. Il y en a qui préfèrent largement le design d'Apple. Bon, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de goût. Et d'autres qui préfèrent largement. Remettez-le dans sa boîte, le Christopher. En tout cas, c'est Divacor qui fabrique ça, on vous les offre et notez que Divacor c'est une boîte française hein, et, et on est très heureux en plus de les soutenir à Divacor. D'ailleurs. Comment de Metz. De Metz. C'est la ville de Metz. Et oui. Cette belle ville de Metz. Vous avez tout dit, aussi, comment il faut faire, tout ça, machin. On a tout dit, donc vous pouvez jouer et on vous souhaite bonne chance. Merci Christopher. Et ben merci, merci à vous. Et merci sachez vous. Qu'on vous offrira encore ces Divacor Antipodes la semaine prochaine. Hein, oui. Comme la semaine dernière d'ailleurs. Voilà, il y en a 10. Génial. Est-ce qu'on a Raphaël depuis New York ou pas les amis? Non. Ouais. Alors voilà, là nous avons nos deux réalisateurs qui se sont transformés. vous savez les mecs qui sont à l'aéroport, ouais, qui font comme ça pour les avions. Ouais. Non, mais alors là, c'est comme ça, donc c'est parfait. On va retrouver Raphaël dans quelques instants. Alors, on va dire où il est, Raphaël. Il est à New York. C'est ça. C'est ça. Mais... pour la keynote de OnePlus. Qui présente donc qui apparemment s'éternise. Bah, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont partis avec un petit peu de retard. Et donc, ils vont annoncer ce soir le 5T. Qui est un nouveau smartphone. Alors tu sais que les smartphones OnePlus, c'est un peu étonnant, il y a véritablement un engouement de la part de cette marque, pour cette marque, parce que ce sont des téléphones qui en général sont très performants, avec un rapport qualité-prix toujours exceptionnel. Donc on va voir ce que ça donne là. Est-ce qu'encore une fois ce 5T va être bluffant en termes de rapport qualité-prix? Raphaël va nous dire ça dans quelques minutes. Comme d'habitude, vous pouvez intervenir hein, pendant ce 01 Live sur Twitter, hashtag 01 Live précisément. Donc vos questions, vos commentaires, vos remarques perfides, n'hésitez pas, on adore ça. Bien sûr, et même sur la page YouTube hein, du live, hein, vous pouvez nous laisser vos messages là en temps réel, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir qu'on essaiera de relayer tous vos messages. Voilà. Donc, comme on n'a pas Raphaël et qu'on a vraiment besoin d'avoir tous les détails que lui seul peut nous donner sur ce sujet, qu'est-ce qu'on fait si on parlait de scooter électrique? Mais bien sûr, attendez, mais depuis tout à l'heure, vous vous êtes dit, mais quel est ce bel homme sur ce scooter électrique haut de gamme BMW? Eh bien, il est là, regardez. Siècle. C'est David Noguera qui a testé donc le nouveau scooter BMW électrique. C'est ça, BMW, c'est Evolution. Alors, nouveau. Il existe depuis quelques années maintenant, mais effectivement, il a été renouvelé l'année dernière. Donc, ils lui ont offert une meilleure batterie. Et ils l'ont même décliné en version long range. Alors, ce n'est pas la version long range que j'ai essayé moi, puisque cette version long range, pardon, il faut le permis moto, le vrai, le permis. Donc, ça veut dire quoi, long range? Voilà, donc long range, plus de capacité de batterie et donc une meilleure autonomie. 160 km en l'occurrence, le mien, il promettait. 100 km. Un permis pour une batterie plus grosse? Non, parce qu'il a aussi plus puissant. La bride électronique en termes de vitesse maximale n'est pas la même. Là, le scooter est bridé électroniquement à 127 km/h. Et c'est ce qui suffit déjà très bien parce que quand on est sur un scooter comme ça qui fait zéro bruit, et en plus on a vraiment, alors moi je roule depuis quelques années en 125, malheureusement j'ai pas eu l'autorisation de maser mon permis moto, mais voilà, et donc c'était un vrai régal. C'est-à-dire que François, tu vas me comprendre, et puis Jérôme, je sais que tu as déjà eu aussi des véhicules électriques, mais cette petite patate que peut-être d'autres ont déjà eu en testant des véhicules électriques, cette gouache qui arrive dès le démarrage, le monde derrière, lâche tout le monde à un feu. Alors là, il y a des systèmes, c'est des systèmes qui contrôlent en fait le torque, donc le couple à la roue arrière, et donc ça patine pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut faire un démarrage en trombe, on peut partir. Alors le 0 à 50 c'est est annoncé en moins de 3 OSP, secondes. Quoi, c'est ça, c'est de la gestion de couple, donc c'est ça, c'est une forme de gestion électronique. De la stabilité, ou en tout cas de l'adhérence. Et 0 à 100, 0 à 50, on est à moins de 3 secondes, on est à 2 secondes 8, et on est à environ 7 secondes. Alors, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas mesuré, mais j'ai vraiment eu l'impression que ça allait finalement encore plus vite et que j'étais à 100 km/h en moins de 7 secondes. BMW annonce 7 secondes pour la version celle qui s'appelle version Europe, qui est celle que tous les détenteurs de permis
B ou ceux ayant la formation de 7 heures peuvent conduire. Et c'est juste un vrai régal. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se déplacer, aller tout en respectant les limites, y arriver assez vite et surtout ne pas se sentir dans ces situations parfois un peu seul. Ceux qui ont des 125 thermiques devraient se reconnaître. C'est-à-dire que quand on va manquer de couple, là, il n'est pas question de ça. C'est-à-dire on accélère, ça part, il y a une belle reprise. Et alors, l'autonomie, une bonne vitesse, tu as pu et donc, l'autonomie, tester un peu. Effectivement, donc elle est annoncée à une centaine de kilomètres. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, sur un cycle mixte, donc j'ai de la ville, j'ai de l'autoroute, j'ai du périphérique, et bien j'ai quand même fait 80 km tout en me faisant plaisir. Alors là, on le voit hein, sur les images, je suis effectivement en interfilage, au milieu des voitures, mais bon, c'est le quotidien, en tout cas, pour nous, Paris et proche banlieue. Oui, sur cette file interdite qui n'existe pas. Qui n'existe pas, il y a cette tolérance maintenant. Voilà. Bon, oui. Voilà. Oui. Et puis en plus, c'est vrai que souvent les... Vas-y Jérôme, parce que Jérôme, il a deux, trois trucs à dire sur cette file-là. En plus, les pilotes de deux roues sont tellement sympas avec les automobilistes. Ils font toujours ces gestes affectueux, agréables. Oui, c'est ça. Quand tu veux te rabattre gentiment, parce qu'il va bien falloir que tu sortes de ce foutu périphérique au bout d'un moment. Ça se fait toujours dans la convivialité. Après, c'est vrai que c'est pas du tout des Moi, je trouve que ça s'améliore. Je trouve que ça s'améliore. Ils sont de plus en plus compréhensifs, nos amis aux deux roues. Oui, mais dans les deux sens d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a des comportements à risque dans les deux sens. Hein. On va pas se reparler des smartphones et de ceux qui regardent pas et de celui qui va chercher dans la boîte à gants. Et puis finalement, sa trajectoire dévie. Enfin, il y a des comportements à risque dans les deux sens. Ce qui est sûr, c'est que l'utilisateur de deux roues, il est bien conscient que s'il se retrouve par terre, ça peut faire très mal. Et donc, il a parfois des réactions aussi de prévention, le coup de klaxon un peu pour éviter de se faire renverser à la dernière minute. Voilà. Bon, David, on voit que ce scooter électrique est plutôt pas mal. Oui. Il faut parler du prix quand même. Exact. Parce qu'au bout d'un moment, va bien falloir qu'on l'annonce. Hein. Un joli 5571 qui nous pose la question sur Twitter. Eh ben, combien coûte-t-il ? Non, franchement, ça fait ça très très mal. C'est 15 000 euros. 15 000 euros pour cette version dite Europe avec 100 km d'autonomie et 15 500 euros pour la version Long Range. Donc vraiment, le calcul est à faire sur combien me coûte mon scooter 125 ou 3 roues, parce c'est que là, on va vraiment concurrencer aussi les MP3-500, parce que le MP3-500 de chez Piaggio ou d'autres marques qui font des 3 roues pour apporter un petit peu plus de puissance, pour avoir des 300, des 400 et des 500 cm3, sont moins chers. Mais c'est vrai qu'après, il faut prendre en compte le coût de l'entretien, qui est assez minime sur des scooters électriques. On va se parler de jeux de plaquettes. Hein. Il n'y a pas de filtre à huile à changer. Il n'y a pas de vidange à faire. Voilà, l'entretien est minime. L'ancien modèle coûtait combien ? Et l'ancien modèle devait être quasi au même prix déjà. Ouais, mais alors, bon, là, on a fait un focus sur ce BMW, mais d'une manière générale, il y a peu encore de scooters électriques. Il y a peu de scooters électriques, tout à fait. Et alors ça, je ne comprends pas pourquoi. Parce que vraiment, c'est typiquement le genre de moyen de locomotion qui devrait passer très vite à l'électrique. Ouais, exact, mais on en voit en fait par des systèmes de location, on en a vu pas mal nous sur Paris. Enfin, on a ce City Scooter, on a les petits 50 cm3. Des petits 50, mais moi ça m'attire pas. Voilà, un scooter qui tient la route entre guillemets. Tout à fait. Qui pourrait, enfin, avec un prix raisonnable, ça n'existe pas aujourd'hui. Moi, ça ne m'attire pas. Ce qui est formidable aussi. Les petits 50 ne m'attirent pas. Ce qui est formidable, c'est que ça ne fait pas de bruit. Alors, c'est formidable. Et ça, franchement, mais dans les villes aujourd'hui, alors désolé pour les amis, nos amis deux roues qui nous regardent, mais c'est une source de pollution sonore. Et à l'inverse, le test complet du scooter va être en ligne très rapidement avec la vidéo complète, mais le fait qu'il ne fasse pas de bruit, c'est aussi un risque. On ne se fait pas du tout entendre parce qu'on n'est pas habitué. Personne n'est habitué, mais le bruit et les piétons aussi. On sait, il y a beaucoup de piétons qui sont casqués et qui écoutent de la musique avec des antipodes. Et du coup, ils ne nous entendent plus. Voilà, donc, David, est-ce qu'il y a des aides ? Parce que tu annonces 15 000 euros. Tout à fait. On a des aides parce qu'aujourd'hui, on s'est pris 6 000 euros sur un véhicule électrique. Il y a l'aide qui devrait du coup se terminer bientôt parce qu'elle va être remise en question à la fin de l'année. Mais c'est l'aide de 20% du prix d'achat maximum pour un deux roues qui doit être de 1 000 euros. Moi, je crois que c'est 1 000 euros. Il me semble que c'est 1 000 euros. Mais voilà. Donc, mais bon, forcément, cela dit, bon, 1 000 euros sur 15, il y a un vrai coût sur ce truc. Et moi, bon, il y a des petits défauts à retrouver dans le test, mais par exemple, il n'y a pas une prise USB sur ce système. C'est quand même dommage. On a un truc qui est fait pour rouler, peut-être pas longtemps, mais en tout cas s'offrir une vraie envie de reprendre le deux roues et de se faire plaisir. Il n'y a pas une prise USB pour brancher un smartphone, un GPS, etc. C'est un peu dommage. D'autres choses à découvrir sur ce monstre qui est, on le rappelle, assez dingue sur tenue de route et puissance. Vraiment, très beau scooter.
Parfait. Bon, ben, je ne sais pas si tu pourras concurrencer Jérôme avec sa trottinette électrique, qu'il attend toujours, hein, oui, parce qu'il va bientôt la recevoir. J'ai toujours pas reçu ma trottinette électrique. J'aimerais bien filmer en fait, votre course. Voilà. Si le transporteur me regarde, s'il peut me donner des nouvelles, En fait, il est venu en trottinette. Moi, sur la Chine. Sur la partie trottinette, je vous réserve des petits trucs. J'ai rencontré... On a deux, trois trucs sympas. J'ai rencontré un gérant d'une boutique parisienne qui fait des trucs complètement incroyables et des trottinettes avec des moteurs un petit peu plus puissants et ça arrache grave. C'est pas mal du tout. Ça devient dangereux. Merci, bon, très David. Bien. Merci David. Beaucoup. Alors où est-ce qu'on en est? 18h16. Est-ce qu'on a du Raphaël Grabli ou pas? Oui, est-ce qu'on a du Raphaël Grabli en rayon, mesdames, messieurs? Raphaël Grabli. Eh ben moi je vous entends. Raphaël Grabli. Oh là là, Raphaël Grabli, mesdames, messieurs, dans les rues new-yorkaises. T'as raison, on cache bien le fast-food. Tu le montreras à la fin tout à l'heure. Je me balade tranquillou, hein. Bon, comment ça va, Raphaël? Eh ben ça va, écoute, il fait bon, on est à New York, et puis en plus, on a une exclu. Ben oui. C'est que j'ai le OnePlus 5T en main. Juste après la conf, voilà, j'ai pu partir avec un smartphone, parce que, en fait, je vous avoue qu'on n'avait pas un super réseau à l'intérieur, alors je me suis débrouillé pour m'échapper avec un appareil. Alors attends, tu sais quoi, là, tous ceux qui nous regardent en ce moment sur 01atv.com, sur YouTube, n'attendent qu'une chose. Alors c'est vrai que t'es plutôt beau gosse, mais à la limite, je crois que là, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est voir le nouveau OnePlus. Je suis très déçu. Alors dis-nous tout. Alors, je sais pas si vous avez pu bien suivre la crise, mais en gros, s'il y a vraiment deux choses à retenir, très simplement... Pour moi, c'est évidemment l'écran bord à bord, parce que là, on va dire qu'OnePlus se met vraiment à la hauteur des meilleurs, en gros. Ouais. Et le prix, évidemment, c'est la force de OnePlus. On a un peu critiqué le OnePlus 5 avec une hausse de prix. Bon, bah là, le OnePlus 5T, on a la même chose avec un écran bord à bord pour le même prix, c'est-à-dire en gros 499 €. Donc, on passe pas la barre des 500 €. Je trouve que c'est très important, ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? On se retrouve avec un... Déjà, on a une visite de New York. Voilà, c'est vrai. Enfin, les soldes de New York. Je ne sais pas pourquoi Raphaël bouge comme ça, mais on voit tout. On a vu tout le bitume. On a vu le bitume. On a vu le trottoir. C'est pas mal. On a vu même les bacs de fleurs qui sont tout autour. Mais j'essaie qu'il y a des travaux. Alors, j'essaie de bouger. Mais au niveau spec technique, parce que c'est vrai que je le disais tout à l'heure, ce qui intéresse aujourd'hui la communauté des fans de OnePlus, c'est le rapport qualité-prix qui est toujours exceptionnel. Le rapport performance-prix. Performance-prix, et on est toujours au top là. Là, honnêtement, je vois pas comment on va pouvoir faire mieux, parce que tu as le Snapdragon 835, donc c'est quand même le processeur le plus puissant du moment, avant le prochain évidemment, mais pour le moment c'est la puce la plus puissante. Ouais. Il y a 6 Go de mémoire vive, voire 8 Go pour la version à 559 €. Ça ne sert strictement à rien, mais n'empêche que tu peux difficilement faire mieux. Alors les 6 Go, ça peut potentiellement être utile. 8 Go, je pense que ça n'a aucun intérêt, mais c'est surtout la capacité de stockage qui va avec. À 559 €, tu as 128 Go de stockage et tu as 64 Go avec la version 6 Go. Donc c'est... voilà, à la limite, le seul bémol, ce serait peut-être la version à moins de 500 € à 499 € qui n'a entre guillemets que 64 Go de stockage. Bon, c'est déjà pas mal, mais on pourrait peut-être avoir même plus. Mais c'est vraiment le seul truc, parce que sinon, tu as un écran OLED Full HD, tu as une batterie de 3300 mAh, donc a priori, il risque de faire une bonne autonomie. Donc tu as la puissance, tu as le double capteur photo. En photo, le OnePlus 5 était déjà très bon. Celui-là, je pense qu'il va être aussi bon. Ils ont misé sur un second capteur différent, en fait. C'est-à-dire que cette fois, il se focalise vraiment sur les basses lumières. Alors qu'avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un second capteur avec une focale différente, en fait, comme ce qu'on a sur l'iPhone, tu sais, pour le mode portrait. Alors là, il y a quand même un mode portrait, c'est-à-dire en gros avec le flou d'arrière-plan. Mais on n'a plus cette focale plus resserrée qui permet d'avoir des visages un petit peu moins déformés. Et en fait, OnePlus a préféré remplacer ça par une seconde focale identique, mais avec un capteur qui va vraiment être dédié aux basses lumières, qui ouvre à f1.7, comme l'autre d'ailleurs. Donc après, il faut voir si c'est vraiment efficace. Donc en fait, il y a un sacrifice qui a été fait sur la seconde focale pour privilégier les basses lumières, parce que OnePlus a considéré que pour les utilisateurs, ce qui était important, c'était
les basses lumières et le flou d'arrière-plan, le mode, l'effet de bokeh, plus que finalement cette petite différence qu'on a au niveau de la déformation des visages. Voilà. Raphaël, mais juste une petite question, parce que sur YouTube, on a pas mal de questions. De toute façon, là, on va pas trop rentrer dans les détails de ce téléphone que vous découvrez en exclusivité sur Zeronet TV aujourd'hui. Une vidéo va être postée très vite. On a pu voir d'ailleurs des images un peu plus, léchées, là, de meilleure qualité. Parce qu'en même temps que tu parles, on montre des images que tu as filmées tout à l'heure. Qui avaient été tournées par ailleurs. Donc, voilà. Et la question qu'on pose plusieurs fois sur YouTube, est-ce qu'on peut le considérer aussi bon que le Galaxy S8? Oui, franchement oui, tout simplement. J'ai beau chercher, je vois pas ce qui peut manquer. Alors éventuellement le design, en fait, c'est vrai que tous les fabricants haut de gamme, Huawei, LG, Samsung, ont sorti les smartphones en vert, en fait. C'est vrai, le vert, moi je trouve ça magnifique, alors c'est un peu plus salissant. Là, en fait, OnePlus à l'arrière, on reste sur une coque en métal, en aluminium. Donc, on va dire que c'est peut-être un peu moins élégant que le reste, voilà. Mais du coup aussi, c'est moins salissant et c'est moins fragile. Donc, il y a aussi des avantages. Mais hormis sur le design qui est peut-être un petit peu moins élégant, c'est vrai. Je vois pas du tout ce qu'il a envié, au S8. Raph, honnêtement, je vois pas. Est-ce que tu peux nous rappeler le prix? 499 €. Ça, c'est impressionnant. Pour la version 6 Go mémoire vive. 64 Go de stockage, 559 € pour la version 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, est sorti le 21 novembre, donc je crois que c'est mercredi, enfin très bientôt, hein, mais la semaine prochaine. Quoi. Bon, dernière petite question, je ne sais pas si tu l'as évoqué, parce que parfois on t'entend pas très bien, donc essaie de mettre bien le micro de ton smartphone à côté de la bouche. Est-ce que, visiblement, il a un système de détection de visage qui a l'air assez bluffant? Ouais. Aussi bien que le Face ID d'Apple. Alors, je sais pas si vous m'entendez mieux ici, oui. Là, mais je l'ai testé, c'est juste impressionnant en fait. Il se déverrouille en instantané, c'est-à-dire qu'on n'a même pas l'écran où tu as le petit signe qui s'est déverrouillé, le petit cadenas qui s'ouvre. Alors là, c'est un petit visage. En fait, c'est instantané. OnePlus a communiqué sur 0,4 secondes. Honnêtement, je pense qu'ils y sont. Donc c'est, un système de reconnaissance faciale, c'est peut-être le meilleur. Enfin, moi, ça m'a vraiment impressionné. Honnêtement, ça m'a impressionné. Mais attention, il ne marche pas dans la nuit, hein. Ah non, ben non. Il n'y a pas tous les capteurs de l'iPhone, donc c'est moins efficace. La nuit, ça ne fonctionne pas, alors que l'iPhone, ça fonctionne, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que c'est aussi sécurisé? Ça, il faudra le voir. Alors, on a pu essayer avec une photo. Ça n'a pas fonctionné, donc ce qui est déjà rassurant. J'ai pas réussi à le déverrouiller avec une photo. De moi évidemment, mais il faudra voir si c'est aussi sécurisé, hein, mais en fait c'est le système stock d'Android, hein, de reconnaissance faciale. D'accord. Il y a un niveau de sécurité qui est évidemment assez bon. Voilà. Sur YouTube, on nous demande s'il est étanche. Alors il est écoute, tu sais quoi, tu me poses une colle. Je pense qu'il est IP67, mais je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Bon. On va enquêter. Il faudra checker. On vous donnera toutes ces informations un petit peu plus tard. Raphaël, merci beaucoup. Super, ben voilà, merci, c'est une exclusive 01net TV. Hein, vous êtes les premiers à voir donc ce OnePlus 5T. On est les seuls à l'avoir comme ça là. Juste petite auto promo à 19h sur le site 01net.com. Il y a la première prise en main qui sort. Ouais. Et j'en profite pour signaler aussi, évidemment, lundi, il y aura les tests qui vont arriver très rapidement avec les vidéos de Zeronet TV. Et il y a un power aussi de mon ami Pépé Garcia, de notre ami Pépé Garcia, qui est parti en Chine voir comment ce téléphone était fabriqué. Et ça sort aussi lundi. Et bah parfait, voilà. Donc, et c'est vrai que c'est vraiment une marque qui est méconnue, hein, OnePlus, mais qui propose actuellement des smartphones au rapport qualité-prix, sans concurrence. Voilà, il fallait le dire. Il suffit d'aller faire un tour à la rédac de 01net.com. Oui, c'est vrai. On est pas mal à avoir craqué. On s'est offert, donc je crois que ça part tout seul. Il n'y a pas besoin d'en dire tellement plus. Et en rapport qualité-prix, c'est vraiment impressionnant ce qui compte. Parfait. Ouais. Merci beaucoup, Raph. Merci, Raphaël. Merci Raphaël Grably, en direct de New York. Voilà. Et dans quelques minutes, donc à 19h, la vidéo prise en main sur 01net.com, hein, de son téléphone. Si on faisait un tour du côté de la question 01net Orange, allons-y, tiens. Puisque justement, on vous pose une question aujourd'hui en rapport avec ce smartphone.
ce smartphone haut de gamme qui fait son petit effet, le OnePlus 5T. Pensez-vous qu'il peut concurrencer l'iPhone X ? Pensez-vous qu'il peut concurrencer l'iPhone X ? Donc vous allez sur www.01nettv.com et puis vous nous donnez votre avis. Est-ce qu'on a déjà une tendance ? Non, pas encore. On fera un petit point dans un instant, mais n'hésitez pas à voter. Voilà, c'est vrai que ce OnePlus 5T, 499 €. Hein, ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment avec les meilleurs composants du moment. Ouais. C'est voilà, vraiment après, il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Hein, on va attendre le test du labo. Oui. Voilà, même les retours en termes de service, ça compte aussi le service après-vente. En effet. Mais c'est vrai que pour nos amis geeks qui recherchent toujours le meilleur rapport qualité-prix, c'est vraiment un téléphone séduisant. On revient dans un instant et avec le Zoom Actu, bien sûr, de Noémie, on va parler justement des déboires du Face ID, vous savez, le système de reconnaissance faciale d'Apple. À tout de suite. Et puis surtout, vous restez avec nous parce que tout à l'heure, on retrouvera Aymeric Siméon qui viendra avec la Xbox One X. Tu sais, c'est la nouvelle console de Microsoft qui est un monstre de puissance, visiblement. On vous dira tout sur cette console dans quelques minutes. Mais auparavant, donc, on est ravis d'accueillir Noémie Lefebvre-Marek. Bonsoir Noémie. Bonsoir messieurs. Ça va super bien, merci. Alors on parlait à l'instant, Noémie, de Face ID, hein, du système de déverrouillage par reconnaissance du visage. C'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre, ce Face ID d'Apple, soi-disant hyper sécurisé, hyper rapide, machin, etc. Sauf que, visiblement, il y aurait quelques petites vulnérabilités, on va dire ça comme ça. Exactement, il y a quelques petits problèmes. Et là, cette semaine, on a quelques vidéos en fait, qui sont apparues, notamment sur YouTube. Alors là, on va vous montrer cette vidéo assez hallucinante. Il s'agit d'une famille américaine, de New York, plus précisément. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir, cette vidéo. Voilà, donc on a ici Sana Sherwani, c'est la maman, accompagnée de son petit-fils, de son fils de 10 ans, qui est petit. Voilà. Qui est content de passer en vidéo. Hein, exactement. Voilà, il fait un petit coucou. Exactement. Et qui lui ressemble beaucoup. Et alors, il lui ressemble pas mal. Bon, c'est pas non plus un clone, hein, oui. C'est son fils. Donc là, elle le déverrouille. Elle le déverrouille et puis en fait, elle va lui passer. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir. Et en fait, y a pas, alors normalement, ça, il ne doit rien se passer. Donc là, il est bloqué. Normalement, il est censé être bloqué. Mais on va voir en fait que... il est mignon. Oui, il joue bien la comédie. Il est super. Et là, voilà. Et avec un petit dab. Et le petit dab qui va bien. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est assez drôle. Ouais, sauf c'est drôle, que ça fait drôle. Pas rire tout le monde. Mais j'imagine que chez Apple, ils doivent rigoler, mais... Je pense pas trop qu'ils ont rigolé. Ouais. Voilà, ouais. Voilà. C'est un petit souci. Donc en fait... C'est pas normal, ça devrait pas arriver. C'est pas normal. Pour les parents, ils ont expliqué, le papa notamment a fait un post sur LinkedIn, a expliqué que ils avaient pas tellement envie que leur fils voit leurs textos, c'est leurs échanges d'exos. C'est juste normal. Donc il se passe que la famille a été en contact avec un journaliste de Wired, média américain, qui a pris l'affaire en main et qui a demandé à la maman d'enregistrer à nouveau son visage dans les paramètres de Face ID. Et après cela, en effet, son fils n'a plus réussi. Elle a ensuite refait l'expérience dans les mêmes conditions que la première fois, c'est-à-dire dans des conditions de basse luminosité. Et là, au bout de 6 essais, son fils a à nouveau réussi à déverrouiller son iPhone. Ce que ça montre, en fait, c'est que si Face ID ne reconnaît pas tout de suite une personne et que cette personne entre un code de déverrouillage, au bout d'un moment, il considère que il s'agit bien du propriétaire. Donc, il mixe en fait les visages, c'est ça ? Il apprend en fait qu'au bout d'un moment, c'est bien le propriétaire, donc il s'adapte. Et donc, on peut considérer que c'est une faille. D'accord. Ouais. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de problème avec Face ID, Noémie. Bah oui, là ça commence à s'accumuler. On se souvient dans les premiers jours, quand l'iPhone 10 est sorti, peu de jours après, il y a eu cette histoire des jumeaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, bah les voici qui auraient trompé Face ID. Et puis en début de cette semaine, on a vu un autre cas. Alors cette fois-ci, c'est une société. Mais en même temps, c'est un peu logique. Ils se ressemblent beaucoup, ces deux jumeaux. D'accord, sauf que c'est pas des clones, c'est des jumeaux. Il y a quand même des petites différences.
donc ça veut dire que Face ID n'est pas si précis que ça. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est la question que ça pose. Et là, on voit, donc c'est une société de sécurité vietnamienne qui a essayé de tromper Face ID en recréant de façon assez artisanale, en fait, un masque. On va pouvoir peut-être vous montrer la photo. Les ingénieurs ont en fait imprimé des images, des photos, des yeux, de la bouche. Ils les ont, avec un nez en silicone, voilà. D'accord. Ils les ont collés sur ce masque. Et ça a provoqué aussi le déverrouillage de l'iPhone. Donc là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Même s'il faut, je dirais, tempérer un peu ces expériences-là qui s'embrassent tout de suite sur le net. Mmh. Là, dans le cas de la société vietnamienne qui s'appelle BCAV, en fait, le dirigeant de la société a expliqué que le masque devait être placé dans des angles très très précis pour que ça puisse déverrouiller, et apparemment l'expérimentation aurait quand même duré 9 heures, donc ça va ouais. Non mais donc c'est pas quand même d'un claquement de main. Ouais. D'ailleurs, quand on lui a demandé de refaire l'expérience, il a dit bah non, en fait ça prend un peu de temps, donc il n'empêche quand même que voilà, c'est un peu un souci pour Apple. Lors de la présentation de la keynote, le chiffre avait été donné de une chance sur 1 million avec Face ID de déverrouiller l'iPhone. Touch ID, c'était 1 sur 50 000. Donc, c'est censé être beaucoup plus fiable, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Alors, sur 01net.com, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de papiers sur le sujet de Face ID. Voilà. Oui. Une vidéo aussi sur 01net TV voilà, Face ID est-il assez fiable. Et on attend pour dans la soirée un papier d'analyse justement assez poussé de toutes ces expériences qui semblent montrer les failles de Face ID, mais à tempérer. Et bien sûr, un patch auquel vous travaillez bien sûr, activement. Ça arrive très bientôt. Mais il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que les jumeaux, c'est vrai que ces deux jumeaux se ressemblent énormément. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer que Face ID peut être trompé. En revanche, les jumeaux n'ont pas du tout la même empreinte digitale. Et on se rend compte que finalement, dans certains cas, le Touch ID est beaucoup plus sécurisé que Face ID. Et c'est pour ça que ces chiffres-là, une chance sur 50 000 avec Touch ID, une chance sur 1 million avec Face ID, je pense qu'Apple est un peu opaque concernant ces chiffres-là. On ne sait pas véritablement ce qu'ils représentent, ces chiffres-là. Voilà. Bah oui, c'est un chiffre qui est utilisé pour la communication. Hein. C'est oui, un voilà. Mais encore une fois, avec Apple, on nous balance un chiffre comme ça, mais on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Mmh. Et je me souviens qu'on parlait beaucoup moins en fait de la sécurité de Touch ID quand le premier iPhone était sorti avec Touch ID. Il y avait évidemment des personnes qui avaient réussi à débloquer leur téléphone avec un système d'autocollant. Enfin, il y avait eu des trucs en silicone. Mais à part ça, Touch ID s'est avéré inviolable. Alors que là, Face ID, finalement, on en parle assez souvent. Hein. Bah là, ces derniers jours, on en parle de plus en plus. Donc à suivre. Comme dirait l'autre. Merci Noémie pour cette petite enquête, Noémie Lefebvre-Marek. Eh bien, vous savez quoi, les amis? Eh bien, on va s'arrêter là. Non, on va pas s'arrêter là. Emmerich, il est 18h30. Mais non, mais attends, mais regarde Emmerich, il est là. Il est juste là, derrière les caméras. Ah, la question orange. Et Emmerich va venir pour nous parler de la Xbox One X. Mais auparavant, la question orange. La question orange, on me fait signe qu'elle est prête, la question orange. Est-ce qu'elle est prête? Elle est prête ou elle n'est pas prête? Elle est prête, elle n'est pas prête, elle est prête. Elle est prête ou elle n'est pas prête? Bon, vous savez quoi, Emmerich Siméon est prêt. Oh, c'est beau. Elle est jolie sur smartphone. Oh là là, magnifique. Le OnePlus 5T peut-il concurrencer l'iPhone X? Alors de là, on a du mal à lire. Hein. Ouais. Oui, c'est à 63%. Oui, à 63%. Oui, à 63%. Quand même. Pas mal. Voilà. Pas mal du tout. N'hésitez pas à continuer à voter. Ouais. Zeronettv.com. Bon. C'est pas iOS, hein, je vous le dis, sur le 5T. Non, Android, c'est sûr, évidemment. Et dans un instant, c'est Emmerich Siméon qui nous rejoint. Emmerich Siméon, vous le savez, qui est notre expert jeux vidéo ici à 01net.com, entre autres. Et Emmerich, vous le savez quoi? Eh bien, quand il bouge la tête comme ça, c'est qu'il est content. Voilà. Quand il est content, ça veut dire qu'il a testé un truc qui cartonne, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Salut Emmerich. Bonsoir. Bonsoir Emmerich. Bonsoir. C'est vrai, maintenant, tout le monde le sait, hein, quand tu commences à bouger la tête comme ça, c'est plutôt bon signe. Oui ou pas, ça dépend. Ça dépend. Oh mon Dieu, quel suspense. Non, alors, quel est le verdict du labo et d'Emmerich à propos de la fameuse Xbox, de la nouvelle Xbox, dont on a déjà parlé, si je ne m'abuse, on en parlait un peu déjà la semaine dernière. C'est ça, mais enfin, on en parlait un peu, on n'avait pas tellement le droit de dire grand-chose. Oui. Voilà. Alors que là, il y a deux semaines même. Oui, il y a deux semaines. Nous étions à Lisbonne, mais vous n'étiez évidemment pas pour le Web Summit.
Donc, cette nouvelle console, déjà nouveau look. Hein, oui. Elle a l'air. Enfin, elle est quand même très inspirée de la One S, hein, quand même. Oui. Hein, mais si pas... on la compare à la Xbox One, première, du, première nom. Du nom, elle est on a plus ce gros pavé de recharge. Ça lui fait plaisir. Le chargeur, là, tu sais, le gros truc, là. L'adaptateur. L'adaptateur, maintenant, il est intégré. Comme sur la S, en fait. Ils ont réussi. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, oui. Oui, ils ont réussi. Oui, c'est bien. Enfin, non, mais c'est vrai. Ça a été une critique qui a été faite au lancement de la première. Ça gênait peut-être moins les Américains dans des grandes maisons, des grands appartements, etc. Peut-être aussi. Ouais, chez nous, ça gênait un peu. Bah, chez nous, ça fait un peu tâche. Hein. Alors, donc, la grosse nouveauté, c'est la puissance et la 4K avec cette console. C'est ça, voilà. Enfin, c'est les principaux arguments de vente de Microsoft. Hein. C'est de dire que cette console a suffisamment sous le capot pour pouvoir assurer de la 4K dite native dans un panel de jeux assez important. Alors, pas dans tous les jeux. Hein. On va tout de suite mettre les choses au point. Tous les jeux ne tournent pas en 4K natif. Sur la dernière console de Microsoft. Néanmoins, tous ceux qui sont estampillés 4K Ultra HD selon les critères de Microsoft et dont les listings qui sont disponibles sur le site officiel de la marque sont censés tourner donc en natif, en 4K natif, à au moins 30 images par seconde. D'accord. Au moins. Et donc ça peut aller même jusqu'à 60 à l'arrivée. Voilà. Alors ça fait le job. Comme on le voit sur les images là, oui ça fait le job. En fait c'est assez probant. Alors bon là les images qu'on a faites sont issues du jeu Gears of War 4, qui était l'un des tout premiers à être optimisé. Bon c'est pas un hasard hein, parce que Gears of War 4 fait partie de l'écurie privilégiée de Microsoft. C'est une exclusivité de la Xbox. Enfin l'écosystème Xbox. Et puis là, au fur et à mesure que les jours et les semaines passent, il y a de plus en plus de jeux qui sont dits optimisés soit pour la Xbox, voire même qui sont estampillés 4K. Alors attends, juste je te coupe parce que là on voit le comparatif des deux versions du 4K jeu. 4K à gauche, Full HD à droite. Voilà. Alors là, c'est compliqué parce que évidemment on n'est pas diffusant 4K, donc ça va être un petit peu compliqué de vous montrer. Enfin, quand même, ça se voit quand même. Ça se voit un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu plus flou sur la droite que sur la gauche. Ouais. On a l'impression qu'il y a plus de détails sur la gauche. Alors il y a plus de détails sur la gauche et puis surtout ce qui va finalement beaucoup jouer aussi, c'est qu'il y a des ombres portées qui n'existent pas, par exemple sur Xbox One S et qu'on va retrouver sur Xbox One X par exemple. Il y a des effets supplémentaires. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir un rayon de soleil qui va venir taper un volet par exemple, ou on va voir l'ombre du volet sur le mur qui se trouve derrière par exemple. Voilà, ça se joue beaucoup dans les détails. Sans c'est que ça vrai. Perde en fluidité. Alors voilà. Non, on ne perd pas en fluidité, c'est-à-dire qu'on a un minimum de 30 images par seconde assurées dès lors que le jeu est estampillé 4K, comme ce que je disais. C'est-à-dire que 30 images par seconde, ça assure quand même un bon compromis entre fluidité et beauté. Ouais. Voilà. Et si on arrive à monter à 60, comme par exemple sur le jeu Forza, sur le dernier jeu Forza qui est censé tourner à 60 images par seconde. Oui, parce qu'il est marqué 60 là. Hein, c'est ça. Oui, non, il tourne à 60. Après, c'est 60 avec de temps en temps quelques petites baisses mais qui vont pas être non plus des ralentissements qui sont pas encore tous optimisés, voilà, tous ne sont pas tous optimisés, ce que je disais, on y arrive, etc. Et puis surtout en fait c'est la seule console qui aujourd'hui est capable de vraiment proposer des jeux en 4K natif et puis des jeux triple A, hein, ce qu'on appelle les jeux triple A, c'est à dire des jeux très lourds en 3D, etc. en 4K. La PS4 Pro elle n'y parvient pas. Nous on a testé là sur Assassin's Creed notamment. Ouais. Alors ça c'est un extrait d'une vidéo réalisée par Zero TV qu'on vous invite vraiment à aller voir, c'est très sympa, c'est le comparatif des deux consoles par, par tous les journalistes de la rédaction. On va pas dire quel gagnant. On s'en doute un petit peu quand même. Mais bon, en gros, PlayStation 4 Pro, parce que c'est vrai que c'est le duel de Noël. Hein, et de l'autre côté, ou Xbox One X. Encore une fois, ce qui va les départager, ça va vraiment être le panel de jeux. Hein, on va pas se cacher. Hein, aujourd'hui, jouer à Uncharted sur Xbox One X, pas possible. Quand même. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, quand même si Microsoft a l'avantage de la puissance, à mon sens, Sony garde l'avantage du catalogue de jeux et des licences officielles exclusives. Officiellement, la Xbox One X est plus puissante que la PlayStation 4 Pro. Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Oui. Elle est plus puissante que la... De toute façon, les chiffres
théorique oui. le montre. Brut. Brut. Et nous, tous les tests qu'on a pu faire, clairement, il est rare que la PS4 Pro arrive à égaler la Xbox One X. Mais cela dépend énormément des optimisations qui sont faites par les développeurs sur les jeux. Attention, si les développeurs, entre guillemets, font pas très bien leur optimisation, on va pouvoir avoir des effets inverses. Ah oui. Ça a notamment été le cas pour un jeu, là, la semaine dernière, c'était constaté par un site spécialisé, qui a détecté que, par exemple, le jeu Titanfall 2, à un instant T, tournait bien mieux sur la PS4 Pro que sur la Xbox One X. Ce qui était très bizarre. Donc, ouais. Ils ont fait remonter ça aux développeurs. Les développeurs ont dit, OK, on va retravailler notre copie. Il faut vraiment qu'on regarde. Il y a un truc qui va pas. Mmh. Voilà. Donc savoir est-ce qu'on achète l'une ou l'autre, la réponse est un peu comme vous le sentez. Hein, voilà, c'est un peu. La Xbox One X est plus chère que la PlayStation. 100 euros plus cher, 500. 500 euros, elle coûte. Différence entre les deux. C'est ça, voilà. Bien sûr, on peut lire des Blu-ray Ultra HD. Il y a un lecteur Blu-ray. Voilà, alors ce que ne fait pas la PS4 Pro. Hein, la PS4 Pro n'a pas de Blu-ray de lecteur Blu-ray 4K. La Xbox One X en a un. D'accord. Ça peut être un argument, c'est peut-être pas le premier, hein, clairement, sur une console, mais ça peut être un argument de plus pour craquer. Et puis, on va juste préciser une petite chose, hein, c'est que même si on n'a pas une télé 4K, on peut profiter de la puissance de la Xbox One X, hein, puisqu'en 1080p, en Full HD, ouais. les jeux vont mieux tourner. Bien sûr, encore une fois, à partir du moment où ils sont optimisés, etc. Mais il y a suffisamment de puissance pour qu'ils tournent bien. Donc on n'est pas obligé d'avoir un super écran 4K pour en profiter. Si on en a un, c'est bien. Et on va même pouvoir, on peut même dire que même si on a une télé 4K mais qu'on a vraiment envie d'avoir une fluidité, une performance optimale, on peut forcer la console à passer en 1080p. Voilà, à rétrograder un peu pour avoir vraiment 60 FPS tout le temps. Et ce qui peut avoir une importance dans des jeux type shooter, FPS auxquels on va jouer en ligne. Et on aura une très belle qualité d'image malgré tout en 1080p. C'est ça. Et on gagnera en fluidité. Voilà, c'est possible. C'est clair. Merci très bien. Beaucoup Emric. Merci à vous complet à retrouver en vidéo sur Zeronet TV. Et puis encore plein d'articles à venir. Et plein d'articles à venir sur cette console qui visiblement démarre bien en termes de vente, notamment en Angleterre, j'ai vu ça. Voilà, alors en Angleterre, en France, on a demandé à Microsoft et. Pour l'instant, ils sont un peu silencieux. Ah c'est pas pour l'instant, ils sont silencieux. Voilà. Mais tu as raison, ça sera le duel de Noël, très clairement. C'est clair. Merci. Je vous en prie, pas de soucis. Les amis, juste avant qu'on se dise au revoir, on va répondre quand même à la question de l'un d'une des personnes qui nous suivait sur YouTube. Nous regardent. Excusez-moi, j'ai du mal à parler des fois, ça m'arrive. Hein. Oui, qui nous demandait si le OnePlus T était étanche. Eh bien, Raphaël vient de nous le confirmer via New York, il n'est pas étanche. Ah. Voilà, précision faite et qu'il fallait faire. Jérôme, on a terminé ? Écoute, oui, on a terminé. Merci pour cette traversée. Oui, c'est ça. C'était bien. Un dernier petit coup d'œil sur la question 01net Orange. Hein, concernant l'iPhone et le One. Le OnePlus 5T peut-il concurrencer l'iPhone 10 selon vous? Et on est toujours à 63%. Toujours, voilà. Et non 37%. Voilà. Vous pouvez continuer à voter sur 01nettv.com. 18h42, on est un peu en retard, mais franchement, ça en valait le coup parce qu'on avait pas mal de trucs à vous dire ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à Pierre Thiolin qui assurait la réalisation, à Thomas Romilleret et à Noémie Lefebvre-Marie qui a préparé ce live. Voilà, et puis si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de 01nettv.com, tout simplement. Voilà, vous êtes déjà des millions. Et continuez. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très vite. Salut à tous.